Et bien voilà, comme promis, on se retrouve tout de suite pour la suite et pour l'épisode numéro 7, si je me trompe pas, de notre petite série sur Resident Evil Code Veronica. Donc on s'était laissé ici, je vous avais dit qu'on n'allait pas tarder à changer de lieu, j'espère que ça vous a bien fait baver comme des gros bébés. Et puis, bah voilà, on est toujours sous la menace de l'explosion, mais vous inquiétez pas, hein, on a... c'est scripté, je veux dire. Bonne idée. Oh, par contre, attends. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Non, je préfère ne pas avoir le doute. Donc je vais revenir rapidement. Oui, je sais que c'est pas très une bonne idée de revenir alors qu'il menace de tout faire exploser, mais ça m'embêterait d'avoir à refaire le chemin inverse pour une bêtise. Donc, je préfère aller revérifier. Arrêtez de me faire trembler ma manette, ça va me faire stresser. Alors qu'il n'y a aucune raison de stresser, je veux dire. Ça va juste péter d'un coup d'un jour. Voilà, j'ai bien fait de revenir. J'ai plus de soins, donc on va prendre ça. Et on va prendre ça. Et on va prendre deux herbes vertes, hein, au cas où. Ça sera toujours utile. On va recharger ce truc. Et voilà, là je vous dis, on est prêt pour l'assaut là. Ah, ça va chier là. Là je vous promets qu'il va y avoir de l'action, mais comme jamais. Quand même, j'ai bien fait de revenir ici, parce que sinon j'aurais dû me retaper un petit peu tout le retour pour venir rechercher le dernier saut qui m'aurait manqué. Et ça m'aurait bien embêté, croyez-moi. Parce que bon, c'est vrai que les allers-retours dans les Resident Evil anciens, dans les plus anciens, c'est vrai qu'on est habitué à faire des allers-retours. Que ce soit pour des énigmes ou tourner en rond parce qu'on sait pas où aller. Mais là, c'est vrai que ça aurait été un aller-retour qu'on aurait pu éviter. Et d'ailleurs, qu'on a évité, tous ensemble. Allez, mine-toi. Vite, vite, vite. Bloup, 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 bloup. Parabara bam, 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 bam. Bon, la manette arrête de vibrer. Et il y a rien à foutre de nous, hein. Les femmes et les enfants d'abord, il connaît pas lui, hein. Déjà qu'au début, il avait dit que... Enfin, il nous avait dit qu'on allait le ralentir. Sincèrement. Ah, c'est pas là qu'ils ont des espèces d'yeux... Des yeux rouges, non, c'est pas là. Il avait un œil rouge et un œil vert. Et son nom, c'était... Flip. Flip. Ah bon, d'accord, tu m'attends que je mette les trucs. Heureusement qu'il y a le troisième dessus, parce que je me serais foutu une balle. Voilà. Et maintenant, donc là, vous voyez, il y a un avion. Vous pouvez quand même vous douter, si vous êtes un minimum intelligent, que nous allons le prendre. Et qu'on va se barrer de cette foutue huile qui va exploser. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a un truc qui va pas. Eh ouais, bah c'est ballot. Ok. Est-ce qu'on sauvegarde ici parce que j'appréhende un peu ce qui va se passer après. On va dire non, allez, on y va. Au pire, je sais pas où est-ce qu'on repartirait, mais bon, je couperais. Hein. Si jamais je venais à mourir, je ferais une petite ellipse. Pour ne pas perdre du temps de vidéo pour rien. C'est un petit peu dommage. Donc là, ici, je sais où il faut que je me rende. Oh bah oui, bah tiens. Fonce sur les zombies, t'as raison. Elle tient un peu à la vie.
Pam 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 paparam. T'as intérêt à cavaler, hein. Y a pas des bestioles ici? Ah, c'est plus tard. Je vous en dis pas plus, mais c'est plus tard. Il y aura des vilaines bêtes que j'aime pas. D'ailleurs, dans le premier Resident Evil, les bestioles étaient déjà présentes et c'est celles qui me faisaient en général arrêter le jeu. Dès que j'en voyais à un moment, j'avais plus envie de jouer. Ça me faisait un peu flipper. D'ailleurs, je pense que c'est les seules bestioles de Resident Evil qui me faisaient flipper. Parce que c'était rapide, c'était moche, ça ressemble à des espèces de gros lézards et j'aime pas ça. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est ça. Et ceux qui connaissent pas, ce sont les hunters. Ou en français, les chasseurs. Mais c'est des sacrées bestioles que j'aimais pas. Merci pour la clé. Il y avait pas des munitions près d'eux, non? Oui, je sais qu'il est déjà mort. Bon, bah apparemment, il n'y a pas de munitions. Il me semblait qu'il y en avait, mais tant pis. S'ils me disent qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Et on repart. Balabadadam. Ouais, donc je pense qu'on aura le temps peut-être de découvrir un petit peu le nouvel endroit, mais de toute façon je vais pas avancer énormément. Peut-être un épisode un peu moins long pour ceux qui préfèrent. J'essaye d'alterner au mieux, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, pour Resident Evil 6 comme pour Code Veronica. J'essaye d'alterner entre des vidéos mi-longues, des vidéos un peu plus longues. Mais bon, je peux pas non plus faire des vidéos trop longues, hein, parce que... Après, ça risque de vous embêter, et puis même c'est long à upload, hein, quand même, faut pas... Je vais pas le cacher. C'est hyper long à upload des vidéos, de mon côté. Toi, tu dégages. Attendez que je réfléchisse. Je me souviens qu'ici, je me prenais la tête parce qu'il y avait une chose que j'oubliais de prendre. Qui m'était un peu... Attends, non. On va juste aller faire rapidement dans le coffre. Qu'est-ce que c'est qu'il me faudrait? Bon, déjà, toi, tu dégages. Je sais que l'extincteur, j'en aurais besoin. Non, je crois que c'est plus tard. Ah, mince, j'avais pas vu que j'allais récupérer des grenades. Tu dégages, merci. On va utiliser nos petites fléchettes explosives parce que on va en avoir besoin. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Allez, mine-toi. Allez, pousse ce bordel. Et voilà, là c'est bon. Là c'est le décompte. Minute until detonation. Voilà, ça fait pas flipper. En plus de la musique stressante, de la manette qui vibre, il nous fout un timer. Oh bon dieu. Bon, même si c'est vrai qu'on a assez largement le temps. Nous revoilà notre cinglé. Elle rigole. Connasse. Enfin. Vilain. Et ceci, c'est une sacrée bestiole qu'on appelle en général un tyran. Ou un vilain monsieur, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et il va nous donner du fil à retordre. Le ver de terre! Vite. Et boum. Regarde plutôt devant toi. Nice ass. Oh là là.
Et en plus, il a pas l'air content. Hein. Il a même plutôt l'air vénère. Allez, relève-toi, s'il te plaît. T'as le droit de crever aussi, hein. Ouah, je me souvenais pas qu'il fallait autant de trucs. Eh. J'ai bien mis en normal au début du jeu. Ça y est. Oui, donc je vous ai menti, c'était un boss complètement bidon. Enfin, bidon. Il m'a quand même bouffé je sais pas combien de... fléchettes explosives, mais bon. Il est plutôt simple, easy, comme on dit. Donc voilà, on refait tout le chemin, encore une fois. Quand je vous disais qu'il y avait des endroits où on allait repasser 50 fois, bah, je vous mentais pas. Alors là, par contre, expliquons pourquoi le bordel là est revenu. Bon, c'est peut-être parce qu'on on est redescendu avec le sous-marin. Je pense, en tout cas, c'est ce qui me paraît le plus plausible. Allez, 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 vite, vite, vite. T'entends pas la musique? Ta-da-da-da-da. Oui, descends. Pourquoi? Mais non. On va vite retrouver notre petit Steve. Et on se tire de là. Vous voyez, 5 minutes, je pense qu'il faudra, à peu près 3 minutes, 3 minutes 30 pour réussir, enfin pour se barrer. C'est largement faisable. Et bon, après, ils auraient mis un timer plus court. Ça aurait peut-être fait stresser un peu plus quand même. Même c'est sûr, c'est certain. Voilà, je vois, on est à 12 minutes de vidéo. Oui! Intelligente! Les pauvres poissons qui veulent exploser. Avec les pauvres zombies. Ouais, voilà, 3 minutes pour y aller. 3 minutes 30 pour se barrer. Ah, et ben, on a fait quand même une bonne grosse partie du jeu là, je peux vous le dire. Même si c'est vrai qu'après il va y avoir pas mal de petites énigmes. Allez. Je regarderai après, Bruce, promis. Yahoo! Oh. Pas de bisous. Je refuse. Encore un petit moment d'émotion. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. Au Bahamas? Ah ouais, Hawaii. Alors du coup, son frère, elle en a plus rien à foutre quoi d'un coup. J'ai une 3 secondes avant, elle dit ah, j'espère que je vais retrouver mon frère. Puis après, bon tiens, je me barrerai bien. Des petites vacances à Hawaï, tiens. Ah, qu'il est fort. Et des petits passages un peu partout, celui-là. This game is not over yet. Now you will see what real terror is all about. Ah, pas fait le même rire que d'habitude. Ça, c'est pas de l'avion de PD, hein.
Mauvaise nouvelle. Ouais, c'est ça, va voir ce qui se passe. Va voir ce qui se passe. Bon, écoutez, je vous propose qu'on sauvegarde. Je sais pas pourquoi, une intuition. Je vais juste utiliser d'abord ce que j'ai dans le coffre. Enfin, prendre plutôt plusieurs trucs que j'ai dans le coffre. Attendez, non, je vais prendre un peu de grenade à acide. Voilà, on va voir. Tac. On va reprendre un petit truc de soin au cas où. On sait jamais hein, ce qui peut se passer. Ah, j'ai encore des rubans ici, j'ai pas vu. Et puis, bah, je pense qu'on sera bon. On va sauvegarder un petit peu. Allez, utiliser un ruban. C'est plus par précaution qu'autre chose. Cockpit. Et on y va, on va. Allons voir ce qui s'est passé dans la soute. Qui a bien pu ouvrir? Serait-ce Alfred? Serait-ce quelqu'un d'autre? Suspense. Oh mon dieu. Ouh la grosse bête, larve-là. Oula, cette fois-ci là. Oula, pas content alors, mais pas content. Blah. Ouh la vache, il sort les griffes. Vilain. Voilà, donc il va falloir le gicler. Bien entendu, ce serait trop simple d'arriver à le gicler dès le début. Voilà, donc on lui éclate la gueule, au plus. Alors par contre, il va falloir faire... Voilà, faut faire extrêmement attention parce qu'il est vachement, vachement coriace. Oh la vache, puis en plus il peut nous foutre... Ouh là 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 là. Oh, il peut nous foutre dehors. Non, tu dégages. Attendez, attendez, attendez. Parce que j'en ai un peu mal. Alors, j'ai vu qu'il y avait du sang qui tombe. Alors, est-ce que c'est déjà bon? Non, dommage. Oh la vache, les coups qu'il nous met quand même. Normalement, c'est quand il commence... Oh la vache, quand il commence à boiter un peu. J'arrive pas à voir s'il boite ou pas, là. Ah là, ça devrait être bon, là, non? Ouais, là, c'est bon. Allez, non, 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 on va refaire un tour. Eh ben, refaisons un tour. On a encore deux balles d'acide. On va juste... Au cas où. Allez, cette fois-ci... Goodbye, sayonara. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué non plus. Mais bon, faut y aller. Faut y aller, faut le faire, faut avoir un petit peu de munitions en stock. Et c'est pour ça que j'ai préféré sauvegarder. Parce que plusieurs fois, bah, s'il nous fout 3 ou 4 coups d'affilée, on meurt, ça fait mal. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies, but I cannot let you escape now. Alfred. Oh, la belle photo. Donc voilà, il va nous emmener sur un endroit. Moi, j'aurais pas confiance en fait à de lâcher les commandes comme ça, parce que si jamais lui de son côté il peut repasser en manuel, bah il va s'écraser tout simplement. Oh, si c'est pas choupinoupinet.
Non. Et voilà, c'est bien. Il allait profiter d'une femme ivre et hors de ses moyens. Vilain. En fait, du coup, je pense que j'arrêterai la vidéo avant d'atteindre l'endroit. Hey, where are we? L'endroit en question. Ça me fait plaisir. Je vous imagine en train de dire ah non, t'avais promis. Eh ben non. Voilà. Voilà. Enfin, on sait. On sait quand même où on est, quoi. De toute façon, il va y avoir une petite sauvegarde automatique et on s'arrêtera là. Ah, c'est vrai que c'est moche les graphismes de proche. Bah bien. Voilà. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je suis un petit moment sadique pour une fois. Mais on va se laisser là. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour l'épisode. Enfin pour le prochain épisode. Où on sera dans notre nouvel endroit. Voilà. Démarrage partie 2. Et puis bah comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.